Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment parler à plusieurs personnes en même temps sur Skype. Il vous suffit tout d'abord de lancer Skype comme ceci. Vous devriez voir apparaître cette fenêtre. Donc vous pouvez également cliquer sur le mode compact qui va permettre de scinder conversation et vos contacts. Donc c'est une option, c'est assez pratique. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour parler à plusieurs contacts en même temps. Donc, vous choisissez un contact, vous lui parlez, donc rien d'exceptionnel. Et puis vous décidez d'ajouter un autre contact. Donc il vous suffit d'appuyer sur le plus ici et de choisir ajouter du monde à cette conversation. Donc vous cliquez dessus et vous allez choisir la personne que vous voulez ajouter. Et vous cliquez ensuite sur ajouter. Donc voilà, elle apparaîtra ici. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez tous les ajouter si vous voulez. Vous pouvez également les supprimer. Donc vous ajoutez. Et ensuite, vous pouvez également supprimer. Voilà. Donc, les messages que vous enverrez à votre personne, enfin les personnes qui seront invitées les recevront. Donc tout le monde recevra tous les messages et vice-versa. Donc ensuite, vous pouvez bien entendu appeler, donc pour entamer une conférence, et vous pouvez également, si les personnes disposent de webcam, entamer une vidéo conférence. Donc ensuite, c'est dans les options quand vous appelez, donc toutes les personnes, vous aurez les personnes affichées normalement ici il y aura une nouvelle fenêtre qui va apparaître avec les personnes qui sont en conférence avec vous. Et vous pouvez bien entendu, avec différentes options, entamer une vidéoconférence en utilisant les webcams. Donc c'est pas le sujet étant de comment parler à plusieurs personnes en même temps avec Skype. Donc je ne montrerai pas comment on peut entamer une vidéoconférence. Voilà, mais juste pour vous dire que c'est possible et que c'est aussi simple que d'inviter d'autres personnes dans votre conversation.